Personne, rentrez-moi ces canons. Brèche multiple, secteur 12. Préparez-moi ça, ça saute. On ferme les écotilles. Et cette brèche dans la coque, secteur 17, c'en est où? Impact dans 60 secondes. 2 minutes avant l'intervention. Point de contact, vite. Les canons tribord sont HS. Capitaine. Difficile de travailler dans ces conditions. Il faut réagir. Le transporteur envoie d'autres Banshees. La riposte s'organise. Ça vient, professeur. Laissez-moi faire. Contentez-vous de surveiller l'arche. Défense principale HS. Les canons tribords sont HS. Incendie déclaré, module industriel 3. On a mis les pieds dans le plat. Comme vous dites, on évacue et on ventile. Combien de temps encore? Pas longtemps. On perd trop de canons. Si ça continue, tout sera bientôt terminé. J'ai une idée pour nous tirer de là. Vous pouvez rouvrir notre portail? Non. Nous allons créer un halo. Quoi? Apparemment, l'arche dispose en permanence d'un anneau quasi complet dans ses forges centrales. Une pièce de rechange au cas où il faudrait remplacer un anneau en urgence. Je rêve. Ces engins de mort sont capables de détruire des galaxies entières. Pas de panique. J'ai trouvé un moyen de désactiver le mécanisme de mise à feu. Par contre, on ne peut le déployer qu'à l'emplacement initial des anneaux précédents. Isabelle, vous dites que le Major a trouvé un anneau à proximité de Reach. Cela nous placerait à portée d'une balise de communication. Ça pourrait marcher. Anders, combien de temps il vous faut? 12 heures, si mes calculs sont bons. On n'a pas 12 heures, professeur. Et peut-être même pas 12 minutes. On ne peut pas lutter contre ça. Moi, si. Mais je vais avoir besoin d'un coup de main. J'écoute. Pour commencer, j'ai besoin d'elle à mes côtés. Isabelle? Pardon, chef. J'ai passé un bout de temps sur l'arche. Au vu des rapports de combat, vous imaginez bien que le règlement y est très strict. Je vais l'enfreindre. Et pas qu'un peu. Il va falloir déployer des unités au sol ici et là, histoire de gagner du temps. Vous vous improvisez commandant maintenant? Gagner du temps pourquoi? Ces monstres ont débarqué à bord de ce vaisseau et ont tué tous ceux que j'étais censée protéger. Aujourd'hui, ils veulent remettre ça. Et c'est hors de question. L'heure est venue de leur montrer qui commande ici. Et salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez très bien, c'est avec un plaisir immense que je vous retrouve sur Halo Wars 2, sur une émission que j'apprécie le moins parce qu'elle est un petit peu particulière. Bon, tout est dans le titre, tenir la position. Mais voilà, bon, c'est une mission qui est quand même assez stylée, on a un canon à particules, le Forerunner, qui est quand même plus beau que celui d'Halo 4. Je remets ça avec la DA. J'espère que vous allez bien en tout cas. Bon, superbe cinématique d'ouverture. Donc voilà, avec un nouveau Halo qui va arriver, tout droit des fonderies de l'Arche, ça parle de Reach, ça, on voit les Parias évidemment, forcément dans Halo Wars 2. J'arrête pas de me faire un parallèle entre les Parias d'Halo Infinite et ceux d'Halo Wars 2, j'aime vraiment ce Infinite, c'est un petit peu dommage qu'on ait un petit peu dévié de ce qu'ils étaient dans l'Infinite, même si ça reste très cool. En tout cas, c'est parti. Confirmé, professeur. L'Enduring Conviction est immobilisé. Combien de temps avant désintégration complète de ses boucliers? C'est dur à dire, capitaine. Je ne connais pas le fonctionnement exact de cette arme. Je vais emmagasiner un maximum de puissance dans le canon, mais nous allons faire une cible facile. Entendu. Douglas, le transporteur Paria est l'arme la plus puissante d'Atriox et son seul moyen de voyager en sous-espace. Alors il va faire tout son possible pour détruire ce canon. C'est parti. Toutes les unités. Je me demande si ça c'est le genre de système. Les Parias vont devoir lancer un assaut frontal classique avec les troupes qu'ils ont sur place. Donc ce qui tombe, ça doit être des débris du vaisseau, du coup ça doit tirer sur le vaisseau, hein, j'imagine. On doit s'assurer qu'elles tiennent. On va créer ce qu'il faut. J'ai placé du matériel de surveillance le long de chaque route possible pour prévenir Douglas de l'arrivée des Parias. Et comme Atriox va envoyer toutes ses forces contre vous, la base située sous le transporteur sera peu protégée. Et Jérôme et Isabelle pourront l'infiltrer. À toutes les unités, prévenez-les quand vous aurez percé les boucliers du transporteur. Bon bah c'est parti, il faut protéger le canon. Alors ça va être galère, par contre c'est con qu'on puisse pas reculer plus. Zéro, ici Douglas, On a touché le bouclier du transporteur. On va mettre du temps à le transpercer, mais ça va marcher. Excellent. On est en route. Occupez le transporteur pour nous. Douglas, bon, bah c'est parti. Message d'alerte sur ces moniteurs. Les parias seront bientôt là. Tourelle construite. Alors qu'on construise des tourelles par contre. Bon, je suis en facile évidemment. Pour des raisons évidentes de facilité, hein. Ça reste un RTS. Bref, c'est parti du coup. Je sais pas si c'est une bonne idée de construire des toiles, mais non, c'est pas grave. À toutes les unités. Douglas en chemin. Juste attends, oh, toi, coucou là. Marine au rapport. Ici. On prend ce point, Marine. Tourelle construite. Moi, j'ai le bouclier dans 29 minutes. Ça met ce temps de construire, je présume. Alors, ils peuvent arriver par plusieurs routes. On a des miradors, évidemment. Ça me fait presque penser au tour de propagande. Maintenant, alors que c'est des antennes Covenant, mais modifiées, version pas. Ce que je disais dans les précédents épisodes, c'était vraiment sympa. Tourelle construite. La manière dont ça... Ici, on va mettre une base de ressources. Ah, tiens donc. Warthog prêt à rejoindre le front. Spartan Douglas prêt au déploiement, chef. Douglas 042 au rapport, chef. Facile. Douglas 042 au rapport. Maintenant, on ne pourra rien faire. Mini-base achevée. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, de votre côté, j'espère que ce let's play vous plaît et vous intéresse toujours autant. Hein. Forcément, c'est un RTS, c'est un petit peu plus mou que d'habitude, mais en tout cas, j'espère que son histoire vous intéresse. Voilà. L'infanterie arrive par le nord. Point de chef obtenu. Ok, let's go. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant, que ça vous divertit, que vous aimez ça. Les chasseurs arrivent par le nord. On va les accueillir. Je sais pas à quoi ça sert ici. Je peux rien en faire. La garnison non plus. On va construire les tourelles. On va les améliorer en cours de route. Bon. Tourelle construite, tourelle construite. Ils ont l'air de s'en foutre de mes... Plateforme de ravitaillement construite. Alors bon, ça j'ai pas le droit de toucher a priori. On va sécuriser ce passage autant que faire se peut. Tourelle construite. Ça, je peux pas les améliorer. On va faire des tourelles anti-infanterie partout. Il faut faire des tourelles anti-véhicules aussi. On va essayer de faire un combo. Toutes les unités. Je sais pas si ça je peux les régène. Aucune idée. Tourelles améliorées. Tourelle construite. Plus d'infanterie en approche du nord. Ah, c'est peut-être pour activer ce pont, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, ça c'est bon. Douglas, des chasseurs au nord. Petit Nightingale aussi, ça peut être pas mal. La vie, toi, on peut pas. Bref. Dans le doute que ça puisse servir à quelque chose. Ils ont pas cassé quand même les tourelles. C'est les tourelles grosses ça. Tourelles améliorées. J'ai l'impression qu'il ne tire pas sur l'étoile, ce qui en soit une excellente chose. À toutes les unités. On va les choper un petit peu plus en amont, comme ça. Allez hop. On va en mettre partout. Ici, il y a un journal de Phoenix pour ceux qui veulent. J'avais dit que les journaux de Phoenix, je les suivrais, mais... Tourelle construite. En réalité, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Elles sont stylées, ces tourelles, hein, par ailleurs. Tourelle construite. Ça va être celle-ci. C'est de la gestion. Améliorée. Tourelle améliorée. Alors. Ça, c'est un mirador. On verra si on va te chercher. Tourelle améliorée. Merde, m'étrangle. Douglas, il nous envoie plus d'infanterie. Ça vient du nord-est cette fois. Il est temps de changer de décor alors. En avant, soldats! En avant. Donc, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Halo Wars 2, hein, comme d'habitude. Tourelle améliorée. De ce que vous pensez de. Des parias, est-ce que vous les préférez par rapport à leur style d'Halo Infinite, ou est-ce que vous préférez peut-être le style d'Halo Infinite? Plus d'infanterie en approche du nord-est. Les troupes au sol me tirent dessus. Ennemis à terre. Non, c'est quoi? Peut-être faire des toiles de siège ici. Tiens, ce serait pas mal. Les troupes au sol me tirent dessus. Il y a une grosse sentinelle. Toutes les unités. Heureusement qu'on a un Nightingale quand même. Toi vous dis ça. Tourelle construite. Bon, pour l'instant ça se fait. Douglas, les moniteurs n'indiquent plus rien. Pour l'instant. On a réussi à gagner un peu de temps on dirait. Inspectons les défenses et mobilisons plus d'hommes tant que c'est encore possible. Allez, let's go. Étrange qu'ils avaient vraiment pas la... Ils ont pas la même voix au... par rapport au... Par rapport au... Enfin, le gameplay, on va dire, et communication in-game comme ça, ils ont pas du tout le même... Est-ce que je me ferais pas un canon de siège aussi? On va faire un canon de siège pour tout ça. Ce sera quand même bien plus pratique. Un 900. Ouh, est-ce que j'ai mis les toiles qui sont... Là, Douglas, tu vas prendre une APA. Attends. Il y a toujours la Nightingale, ouais. Une autre apparition arrive du nord-est. Ils vont pulvériser nos barricades. Il faut les arrêter, vite! Lancer de grenades au point. Avec Douglas, s'ils prennent une APA, ça aiderait. Véhicule ennemi en approche du nord-est. Yes! C'est bon ça, c'est à nous. À toutes les unités. Pour l'instant, ils ne passent pas, c'est une excellente chose. Sinon, il y a les mines ici. Peut-être en replacer d'autres. À toutes les unités. Allez, ils vont passer sur les mines, c'est con. Ah, ils les ont vus, comment? Tourelle construite. Yeah. À toutes les unités. Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas trop mal. Unités. On va quand même refaire des... Point de ralliement défini. Quand même tâcher de refaire des unités. Améliorée. part faire quelques Hornets, l'aérien il est pété dans le jeu donc. Ça pareil, ça aidera. À toutes les unités. Hornet au rapport, terminé. Et j'avais dit que je voulais bâtir une toile de siège ici, mais j'ai pas les sous. Mécanicien de combat au point. On aura peut-être pas besoin au final. Une minute. Ils empruntent une nouvelle route. Véhicule ennemi en approche à l'est. Ces types lâchent rien. Je comprends mieux comment ils ont survécu au Covenant pendant la guerre. Ouais, c'est pas faux. Bon, les toiles sont pas trop mal. Oh, les canons de siège qui y vont, ah, ça c'est bon ça. Et ça c'est pas mal les canons de siège, je vais vraiment mettre un. Ça fait mal. Ils tirent tous. Et allons voir si c'est pas beau. Ah, nickel. Douglas, une de leurs apparitions fonce tout droit sur notre base. Si on perd cette base, on perdra aussi la position. On va tout faire pour que ça arrive pas. Ça, l'apparition ? Bon. C'est celle-là. Elle sera défoncée. À toutes les unités. Ouais, d'accord, elle voulait péter la base. Bien. On est en camo. Quelle la caserne. Ça c'est important, ça aussi, tac. Je fais un peu de tout. Canon gauche, ça va aider aussi. Les véhicules à éliminer. Excellent. Wolverine. Ah, scorpion. On a fait un scorpion. Il n'est pas verrouillé. Ouais, il est verrouillé. Je me disais aussi, je sais pas si on aura l'occasion de. Oh, le locus. Éliminons-le avant qu'il rase notre base. Ça c'est pareil ça. Pourquoi on n'a pas ça dans Infinite? Ça aurait été tellement bien. Cyclope, prêt à envoyer des véhicules à la case. Je m'en occupe, chef. Véhicule niveau 1 au point. Sacré portée ces machins là. Ça aurait été stylé à piloter. Bon. À toutes les unités. Ça aidera. Ça pour l'instant ils arrivent pas tous en même temps. Bon ça va arriver hein, de toute façon. Unité d'infanterie en approche de l'est. Elle fonce droit sur notre base. Ce sont des renforts pour une frappe de locuste. Défendez la base, soldats! À toutes les unités. On va le passer là. On a perdu une structure. Je crois qu'on a perdu. Ah, c'est une tourelle. Et elle est attaquée? Les petites grenades qui vont bien. Les unités. Je mets en route. Douglas en chemin. Infanterie niveau 1 au point. Bon, je suis pas bavard, vous m'en voudrez pas, hein, les amis. En approche au nord-est. Ils essaient de diviser nos forces. Restez sur vos gardes. Oh non. Une vague de grognards kamikazes approche au nord-est. Oh, ils vont se faire par les tours. Douille à dispersion au point. Des brutes propulsées à l'est. Ouais, les tourelles. Ouais, voilà. À toutes les unités. Infanterie en approche au nord-est. Je déteste ces types. Abattez-les à distance. C'est pas bon être sur place quand ils explosent. En avant. Voilà les grenards qui me cagent. J'ai terminé. On va faire un scorpion. Pouvoir de chef prêt. Unité aérienne niveau 2 au point. Ils sont suicidaires ces gars. Oh non. Une vague de grognards kamikazes approche au nord-est. Ouais. Débarrassez-vous-en avant qu'ils se fassent sauter. Bon. Je vais faire la pause, ça fait déjà 21 minutes que dure cet épisode. Donc je vous invite à me retrouver dans quelques jours pour la suite du niveau tenir la position. En tout cas, chers amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et j'espère que le let's play d'Halo Wars 2 plus généralement vous intéresse tout autant. Si vous prenez l'aventure en cours, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes du let's play d'Halo Wars 2 et pourquoi pas mes autres let's play. Chaque Halo a eu le droit à son let's play, donc là pour l'instant on est sur Halo Wars 2, puis après Halo Infinite évidemment aura son tour. Bref. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous êtes fan de Halo et si mes vidéos, mon contenu vous plaît. Je fais également des dessins sur DeviantArt, des lives sur Twitch. Tous les liens sont en description, n'hésitez pas à y faire un tour. Je suis sûr que vous pourrez trouver des choses qui vous intéressent. En tout cas, merci à vous pour votre présence, pour avoir regardé cette vidéo, pour vos commentaires, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve du coup très bientôt pour la suite. Salut à tous!